Cette finale de la Coupe du Monde légendaire, historique, mythique, déjà dans les annales, on n'en a pas dormi de la nuit. Oui, on n'en a pas dormi de la nuit. Quoi de mieux que de réfléchir aux 11 types des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde pour passer à autre chose et boucler la boucle. Alors je vous en ai parlé dans le débrief Coupe du Monde et dans le Dash Foot où on était plus de 35 000 viewers uniques connectés pour discuter ensemble 100% interaction, 100% passion, les amis. Merci, je vous en ai parlé, envoyez-moi vos 11 types de la Coupe du Monde et on les publie dans cette vidéo. Et moi je m'explique déjà sur mes choix, j'ai essayé de prendre beaucoup d'individualité et un zeste de collectif parce que oui, une équipe qui se fait éliminer dès le premier tour, peut-elle avoir un joueur dans les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde? C'est jamais évident. Alors moi, franchement, vous savez que j'aime l'altruisme, j'aime le foot en tant que sport collectif. Donc, j'ai pris quand même un référentiel collectif là-dedans et non pas uniquement les bons joueurs intrinsèquement et individuellement à travers cette Coupe du Monde. J'espère que mon style vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires qui vous auriez mis, vous, puisque c'est totalement subjectif et totalement un recueil de mes émotions par rapport à la Coupe du Monde que j'ai vécue. Alors, si on démarre déjà par le poste de gardien de but, franchement, bien sûr que le gardien marocain Bono, tout simplement subjugué, plus même son langage corporel, son sourire, ses ondes positives transmises et à sa défense et aux spectateurs m'ont séduit. Mais, finalement, ne peut-il en être autrement qu'un gardien qui a réussi à amener son équipe en finale? Hugo Lloris, auteur face à l'Angleterre d'un record 6 parades dans un match de Coupe du Monde, était pour moi, jusqu'à la finale, si j'avais dû faire cette vidéo avant la finale, j'aurais mis Hugo Lloris, meilleur gardien de la compétition. Parce que il n'est pas marketing, il n'est pas le plus beau à voir, il n'est pas celui qui fait des arrêts photo à chaque fois, mais Lloris, il est là. Il est hyper important. Alors face à lui, j'avais mis le gardien argentin, auteur de séances de tir au but, succulente, incroyable, Martinez. Bien sûr que ses déclarations en dehors des matchs sont fracassantes et parfois totalement déplacées. Mais oui, il faut se rendre à l'évidence. Son sauvetage face à Colomwani, ses différents sauvetages aussi au cours de tous les matchs ont permis à l'Argentine de rester en lice et de finir avec cette troisième étoile de champion du monde. Donc oui, la séance de tir au but, il est encore magnifique devant Coman, notamment. Tchouaméni, ça a fini à côté. Mais il a été brillant et forcément, il a fait la différence. Alors oui, j'ai envie, comme la FIFA, du coup, de le mettre dans mon équipe des meilleurs joueurs de cette compétition. Il a été décisif. Ça ne veut pas dire que ça en fait un meilleur joueur que Hugo Lloris, hein, au global. Passons à la défense. J'ai longuement hésité entre une défense à 3 et une défense à 4. Ouais, c'est plus stable à 4, mais bon, à 3, ça nous permet d'avoir un peu plus de monde au milieu de terrain. Enfin, vous voyez l'idée. À l'arrivée, partons sur des bases classiques. 1-4-3-3. Un 4-3-3 efficace, un 4-3-3 assez offensif quand même, parce que mon latéral droit, ça s'est joué entre deux joueurs. Dans ma tête, c'était soit Walker, qui a réussi à mettre pas mal Kylian Mbappé dans sa poche, qui a fait encore une Coupe du Monde fantastique, avec une équipe anglaise fantastique, et qu'il faudra suivre encore les prochaines années. Walker, je vais l'appeler Paul Walker. Walker, Kyle Walker, ou un immense joueur de cette Coupe du Monde. Il joue en France en plus, Achraf Hakimi. N'est-il pas, lui, le latéral droit de cette Coupe du Monde? Franchement, je le pense. Il a amené, par ses dangers offensifs, par sa capacité à bien défendre sur cette Coupe du Monde, une âme aussi au Maroc. Son leadership, peut-être certainement plus forte que celle de Kyle Walker, me font penser que oui, dans mon 11, c'est bien Achraf Hakimi que je mettrai côté droit pour cette remarquable Coupe du Monde. Dans l'axe central, là, peut-être surprise, certains ne l'ont pas assez étudié ou sont trop habitués à le voir jouer, mais pour moi, Thiago Silva a fait une Coupe du Monde majuscule, de taulier de A à Z, incroyable dans l'anticipation, toujours aussi fort dans la relance. Alors oui, ils échouent au tir au but, ils échouent en prolongation avec cette égalisation croate, mais la défense avait été laissée pour seule, à l'abandon. Alors Thiago Silva, oui, je le mets absolument dans mon style de la Coupe du Monde, tant il a été marquant, marquant, marquant. À côté de lui, là, on va faire le grand écart des âges, un jeune croate qui joue au RB Leipzig, il a 20 ans,
Et lui, il a épaté le monde entier, toute la compétition. Et même si Léo Messi l'a fait danser, comme Messi fait danser à peu près tout le monde, eh bien forcément, je ne lui en ai pas tenu rigueur. Guardiol, ce défenseur croate de 20 ans, a marqué les esprits, on l'espère pour longtemps. Le plus dur va être de continuer à jouer à ce niveau-là après une telle Coupe du Monde. Je le mets dans mon à sa gauche. À côté de lui, il faut que ce soit aussi complémentaire, à sa gauche, dans le 11 type Coupe du Monde, j'avais imaginé un Théo Hernandez. J'avais imaginé, franchement, Théo Hernandez. Et puis, sa finale de Coupe du Monde, Théo Hernandez qui avait été buteur hein, dans les phases élimination directe, et puis sa finale de la Coupe du Monde m'a déçu. M'a pleinement déçu, au point qu'il soit sorti par son coach. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y aura des choix cruciaux à faire aussi au milieu de terrain. Mais du coup, Théo Hernandez n'a pas pu retenir mes faveurs au poste d'arrière gauche, et pourtant vous savez comme je l'aime et je le porte dans mon cœur. Ce poste de latéral gauche a été mon plus gros dilemme de la Coupe du Monde. Parce que Acuna, qui m'a beaucoup plu en demi de compétition, a été hyper inconstant au point de ne pas être titulaire en finale. Je ne peux pas mettre Taliafico dans le 11 type de la Coupe du Monde. Alors je vais déplacer un défenseur central, héroïque et capitaine de sa sélection, et lui a fini dans les meilleures défenses de la Coupe du Monde. C'est bien sûr le Maroc dont je parle. Donc Romain Saïss occupera ce poste de latéral gauche, même s'il ne l'a pas occupé pleinement, et que c'est plutôt Mazraoui, à temps partiel, il n'a pas joué tous les matchs non plus, pendant ce mondial qu'il a occupé. Je ne voulais pas rendre hommage à Mazraoui, trop inconstant selon moi. Donc Romain Saïss occupera dans mon 11 type ce poste de latéral gauche. Romain Saïss, bien sûr, franco-marocain, qui brillait, et encore peu, dans le championnat de France. Au milieu, en 6, en sentinelle, vous allez me dire, ça fait beaucoup, ça fait 3 marocains. Bah ouais, désolé, les choix individuels qui font qu'on se retrouve avec un collectif avec 3 marocains déjà. Amrabat, sauf Amrabat, le joueur de la Fiorentina en numéro 6, ça me paraît une évidence. L'abattage, le leadership, c'est une nettoyeuse livreuse, c'est incroyable ce qu'il a fait en cette Coupe du Monde, en plus avec des infiltrations, des maux de dos. Son corps va peut-être être en pagaille pour l'après-Coupe du Monde, mais ça, c'est pas grave. Dans mon 11 type, ça, c'est garanti, c'est un des premiers noms que j'ai coché. À ses côtés, au milieu de terrain, il y en a un qui a fait une énorme, énorme Coupe du Monde jusqu'à la finale, un peu en dedans, c'est Adrien Rabiot. Il a pris une ampleur depuis 3 mois à la Juve énorme. Il met des buts, fait des passes D. Rabiot, du début à la fin, a porté les Bleus jusqu'en finale. Forcément, au milieu de terrain, je mets Adrien Rabiot. À côté, troisième milieu de terrain, j'étais parti jusqu'à la finale sur Antoine Griezmann, qui m'avait subjugué dans ce poste de numéro 8, qui avait été incroyable de facilité, d'énergie. Mais sa finale, il est passé à côté. Ce poste de 8 n'est quand même pas tout à fait le sien, malgré son QI football ultra élevé. Donc j'ai longtemps galéré à choisir entre Enzo Fernandez, mais qui n'a pas été titulaire tout le temps pendant la Coupe du Monde. Enzo Fernandez, dès qu'il est titulaire, soit avec l'Argentine, soit avec le Benfica, son équipe ne perd pas. Significatif. Meilleur jeune élu du tournoi. Mais pour autant, je n'ai pas choisi Enzo Hernandez, mais plutôt Jude Bellingham, l'anglais, pour mettre un anglais, pour rendre hommage à la force de ce collectif anglais. Le France-Angleterre des quarts était déjà une finale, en fait, de cette Coupe du Monde. Alors, pas aussi folle que la finale, la vraie, qu'il a été légendaire, mais complètement dingue aussi. Donc, Bellingham, pour ce qu'a fait l'Angleterre, pour cette Coupe du Monde, je le mets dans ces trois du milieu de terrain. Lui qui a été le premier buteur anglais, d'ailleurs, et buteur à 18 ans, c'est ça, en Coupe du Monde, c'est dingue. Et puis, je vous révèle mes trois. Je vous donnerai ensuite quelques hésitations avec quel joueur j'ai eu vraiment de gros doutes. Mais on va faire un 4-3-3 limpide avec un autre Anglais qui a été tellement brillant, tellement fort, tellement régulier surtout, au point de reléguer Grealish, Foden, Rashford sur le banc des remplaçants. C'est Bukayo Saka. Si jeune, si triste après son pénalty raté face à l'Italie en finale, ça arrive à tout le monde, Bukayo. Il a été excellent dans cette Coupe du Monde. Il a fait mal à Théo Hernandez, il a obtenu ce pénalty pour Harry Kane. Bukayo Saka est titulaire ailier droit, bien sûr. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas de débat sur les deux meilleurs joueurs de la compétition, les deux meilleurs buteurs aussi. Léo Messi devant, accompagné à gauche de Kylian Mbappé. Ça vous fait un 11 incommensurable de joueurs qui ont été ultra brillants pendant cette compétition. Mais sachez bien sûr que devant, j'aurais pu hésiter deux secondes, hein, parce qu'il y a Messi et Mbappé, avec Gonçalo Ramos, auteur de ce triplé fou avec le Portugal, avec Gakpo aussi, Gakpo le néerlandais, qui a été brillant, surtout en phase de poule, mais qui s'est révélé aux yeux du monde entier. J'ai aimé aussi Harry Kane et ses buts, mais ce pénalty raté face à la France change tout. Mais également Taremi, ce buteur, oui, Taremi, qui a marqué les esprits pendant cette Coupe du Monde, qui s'est révélé, qui a été prodigieux, qui a été décisif.
et incisif. Et puis aussi le jeune Ghanéen Kudus, lui aussi vraie révélation du mondial, certainement dans le top 3 des meilleurs jeunes de cette Coupe du Monde. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos 11, si vous n'avez pas eu le temps de me les envoyer, mettez-moi ça et dites-moi les points où vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, forcément il doit y en avoir. En tout cas j'ai hâte de lire vos commentaires. Prochain direct, prochaine vidéo, jeudi, le Neige Foot, midi et demi, 14h, toujours plus de direct. On sera ensuite là pour le débrief du 28 décembre, le retour de la Ligue 1, le 28 décembre au soir, et toujours plus de contenu ensemble, en direct, 100% interaction, de passionnés. Merci pour le soutien, merci pour la force, que ce soit sur les chaînes TikTok, Twitch ou YouTube, on est là ensemble. Passez très très belles fêtes, faites attention à vous et aux autres.